you, Harold. The one you want to use, you get to use. So many boxes for spectaculairement bien, on a moins d'appareils, on a moins de câbles, c'est plus simple et ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs ce que l'on... Et a priori, ce sont des gens qui sont un peu concernés par la qualité, donc qui ne sont pas pris au compromis. Mais si on a, encore une fois, si on a un excellent... En Europe est en train de commencer, donc on va la voir arriver dans les meilleurs revendeurs d'ici. Merci beaucoup. C'est moi. On se fait la garde. Ici au cinéma, octobre 2009. Et là, vous nous parlez un peu des évolutions récentes dans la logique pionnière, sous la logique pionnière, mais avec des technologies apportées directement du savoir-faire privé. Alors allons-y, on commence par une S1UX. Donc on va commencer par la S1UX qui est le modèle haut de gamme commercialisé sous la marque Pioneer, donc reprenant toutes les technologies qui ont été à l'origine développées pour TAD, à savoir le haut-parleur concentrique, qui cette fois reprend la membrane de Twitter Beryllium des modèles TAD et intègre une membrane de médium en magnésium. On va retrouver le boomer utilisant le même type de construction, à savoir un sandwich au niveau de la matériau de la membrane, un sandwich trois couches aramide ou polyester. Et enfin, un alignement temporel des sources qui, cette fois-ci, est obtenu par un baffle qui bénéficie d'une courbure de 3 mètres, de façon à allumer chaque source acoustique aux oreilles de l'huile. Alors, on progresse ensuite, on retrouve un peu la même logique sur la S1UX. Voilà. Alors, la S1UX, elle, utilise des haut-parleurs TAD
La S3EX est un modèle un petit peu plus compact, un petit peu plus facile à intégrer chez soi, qui est aussi très facile à associer avec une électronique raisonnable. Et on va retrouver exactement le même concept technique, à savoir haut-parleur, médium, tweeter, concentrique. Cette fois-ci, on a un tweeter en céramique graphite et on retrouve le médium en magnésium. Toujours un baffle qui bénéficie de cette découpe de rayons de façon à aligner toutes les sources aux oreilles. Et on continue avec donc, trois modèles qui sont récents. Qui sont, voilà, qui alors sont des, modèles, là. Des modèles plus récents. S81. Série 8, série 7, série 3. Toujours en déclinant les concepts TAD, à savoir le haut-parleur concentrique. Donc là, on va se retrouver. On va se retrouver donc avec un médium tweeter qui est cette fois-ci composé d'aramide et de titane. Et le tweeter titane ne montant que jusqu'à 50 kHz, il a été décidé de rajouter un super tweeter qui prend le relais à 50 kHz de façon à avoir une bande de fréquence qui atteint à nouveau les 100 kHz. Non, ce n'est pas un tweeter à bande, c'est un dérivé d'un brevet des Funkers dans les 30. C'est un tweeter de type Riffel. On peut imaginer en fait comme un livre plié qui fonctionne comme ceci. Alors l'intérêt